Bonjour, aujourd'hui on va voir une partie sur Excel, sur les courbes. Donc, le but c'est que lorsqu'on a une courbe, avec ici par exemple les chiffres qui ne sont pas mentionnés ou bien qu'il y a une rupture, il y a une continuité avec des pointillés. Ok? À chaque fois, donc, on trouve ce pointillé qui lie l'extrémité de la courbe. Okay. Donc c'est ça notre but dans cette leçon. Voilà, donc on va directement commencer. Et c'est par exemple janvier. Voilà. Ici, on va prendre les chiffres aléatoires entre par exemple 30 et 120. Ok. Ici, on va écrire égal si ceci égal à 8, point virgule NA, c'est-à-dire ne rien afficher, sinon afficher le nombre et je tire. On va insérer donc notre courbe, voilà, sélection, dans un premier temps, on prend deuxième ici, ok, voilà. Je vais supprimer ceci. Sélection pour ici l'axe, on va prendre ceci. Voilà pour apparaître ceci. Je sélectionne la courbe et ici je prends les pointillés et je peux colorer ceci en rouge. Ok. Ensuite, je sélectionne ajouter. Je vais donc ajouter la première. Voilà donc la première qui apparaît à la première. Donc si je supprime par exemple il y a une rupture ici, si je supprime, voilà donc qu'est-ce qu'elle donne. Je colore ceci la première par exemple avec autre coloration, voilà qu'est-ce qu'elle donne. Il y a toujours des points de continuité. Ok. Il y a toujours des points de continuité. Parfois, on peut améliorer ceci en cliquant sur comme ça. Pour ne pas faire apparaître ceci, et voilà, toujours, on a donc. Mais c'est par hasard. Si, par exemple, si par hasard quelqu'un supprime ceci, voilà, donc la courbe est comme ça. Donc, c'est un petit peu anormal. Donc, pour éviter ce problème, on va jouer sur notre astuce. C'est créer des noms, voilà donc, au lieu, égal, la même chose, égal si, ceci, égal à 8, point virgule NA, avec les parenthèses comme ceci, sinon, mettez cette colonne. Le nom, on va prendre par exemple un nom, n'importe, par exemple champ, champ 1, et je supprime. Je laisse cette courbe à part et je vais donc insérer une autre courbe comme ceci, insérer, ou bien je vais tracer directement la courbe, insérer une courbe, voilà, courbe, sélectionner, ajouter, et ici je clique sur une cellule, n'importe quelle cellule, et je supprime jusqu'à point d'exclamation et je crée mon champ. 1. Voilà. Donc ça, c'est champ 1. Avec les pointillés, je vais le mettre en rouge. Ok. Ensuite, je sélectionne, ajouter, et je prends ceci. Pardon. Ceci. Ok, je vais donc, voilà, lorsque je mets F9, toujours, il y a, mais si je supprime ceci, je n'ai pas de problème avec cette courbe, c'est pas comme la première, ok, le problème c'est que lorsque je masque ceci, la courbe,
se trouve avec des problèmes. Et pour éviter ce problème, je clique sur la droite, sélection, et ici afficher. Voilà. Ok, donc voilà la courbe. On a réglé le problème. Donc si je supprime ceci, donc toujours, il y a même, si je fais comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de rupture. Et si je supprime, il y a une continuité. Ok, ça c'est pour les prévisions et tout ça. Ok, merci et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. À la prochaine.